Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Star White. Aujourd'hui, on se retrouve sur l'aventure avec Alex Hunter pour la suite de cette carrière. Alors, allons-y, nous sommes toujours à Tokyo. On voit un petit peu ce qui va se passer après la victoire 2-0 contre United. On est avec Alex Hunter, chez lui. Tu dois travailler plus dur que ça. Compris. Je suis sérieuse, Kim. Merci, coach de Silva. Moi aussi. Ciao. Ah bon, on est tous les trois là. Pas mal la partie de l'île. Salut, toi aussi. Oh. Jet lag. Pourquoi c'est si compliqué de s'endormir quand on est crevé à ce point? Ça, j'en sais rien du tout. Hé, hey. Ça m'a fait plaisir de te retrouver sur le terrain, mon pote. Ah, tu dis ça parce que c'est toi qui as gagné. Décalage horaire, toi aussi? Ouais, et l'appel que je viens de recevoir aussi. Et donc? Il trouve que j'ai bien joué pour une gamine de 16 ans et... Ils me veulent pour les éliminatoires de la Coupe! Ah, c'est vrai, c'est vrai! Oh, je suis fier de toi. Ouais, merci, frangin. Je réponds à cet appel. Et après, on fait ça, ok? D'accord. On est au milieu de la nuit ici. Je savais que tu dormirais pas. C'est comment, Tokyo? Ouais, c'est vrai. Tokyo, c'est... différent. Mais en bien. En fait, c'est génial. Ma petite sœur Kim, elle vient d'être appelée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Elle a 16 ans, c'est ça? Waouh, je savais qu'elle avait du potentiel, mais là, c'est un sacré accomplissement. Félicite-la pour moi. D'accord. Tu dois être comme une folle, là. Oh, et en plus, t'as plus du tout à t'inquiéter de tes études, maintenant. Tu rigoles? Je dois choisir une université, avoir mon diplôme, quitter le nid, tout ça. Mais là, en ce moment, c'est comme si ça, ça me passait au-dessus. Ouais, ouais, le succès, ça doit être hyper stressant. Ouais. T'es vraiment comme ton frère. Arrête, allez, décale-toi. Alors? J'ai appris pour Terry. Ça doit être cool d'avoir un frangin qui a gagné la Ligue des Champions. Ouais. Ouais, on peut dire ça. T'es pas content pour lui? On s'est à peine parlé depuis qu'il est parti en Italie. Et il manque pas. Quand on était gamin, notre père nous faisait nous entraîner l'un contre l'autre. Il nous balançait des centres pendant des heures. J'avais 10 ans et Terry en avait 18. C'était une montagne de muscles. Ses entraînements étaient censés m'endurcir. Mais à chaque fois, je me faisais réduire en miettes. Je finissais épuisé. Parfois, j'arrivais à peine à rentrer. Regarde-toi maintenant. T'es une star de la première ligue. Ouais. Alex, je suis une femme de parole. Et j'en suis fière. Quand je fais une promesse, je la tiens. Dis-moi. Où en est ton espagnol? Ouais, moyen. J'ai appris quelques phrases la saison dernière. On peut remédier à ça. S'il y a une chose que les supporters des Meringues apprécient plus que les trophées, c'est un joueur étranger qui sait parler leur langue. Les Meringues? Attendez, j'ai bien entendu? Je te l'avais dit, je suis une femme de parole. Un contrat de 5 ans avec le Real Madrid est sur la table. L'Atlético a déjà accepté l'offre. À contre-cœur, je précise. Mais le montant a aidé. Il ne nous manque plus que ta signature. Béa, je sais pas quoi vous dire.
conseillerais de garder le silence jusqu'à l'annonce officielle. On se voit dans 48 heures, à ton retour en Europe. On pourra finaliser tout ça. Pas mal. T'as l'air content? Bah quoi? Je suis juste ravi pour ma petite sœur. Allons fêter ça. Ouais, on est à Tokyo, il y a plein d'endroits où faire la fête. Vous savez quoi? Allez-y tous les deux. Moi, je suis vraiment crevé. Quoi? Amusez-vous bien. Ça te ressemble pas. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais, ça va toujours, tu sais bien. Comme tu voudras. Bon, à plus. À plus. Salut. Hé, hey, c'est à cause de Terry? Quoi? Non, non, pas du tout. Je suis fatigué, c'est tout. À cause du décalage horaire. Je suis pas dans mon assiette, alors je vais aller me coucher. Ok. Bonne nuit. Ouais, ouais, carrément. On se voit demain. Ok. Oh merde. Bon, c'est pas grave. On a débloqué Jim Hunter et son ballon. Poursuivre l'aventure. On va essayer de faire mieux au niveau des objectifs parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on fait vraiment de. Des fois, on fait vraiment de la merde. Il a pas nous manqué grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Ah là, on peut choisir un personnage, on va choisir Alex Hunter, on finira avec les autres naturellement. Y a pas de souci, on fera l'histoire des trois. Mais on y va avec Alex. On va commencer avec Alex, on va finir avec Alex. Salle de presse du Real Madrid est très... Ouh putain, on est là. Bienvenue. Nous sommes ravis d'annoncer le transfert d'Alex Hunter pour une durée de 5 ans. Nous sommes convaincus qu'il va développer ses talents avec nous dans ce club qui place les jeunes espoirs au cœur de ses intérêts. Nous avons hâte de connaître une nouvelle saison fructueuse. Et dans les deux compétitions, il faudra bien débuter. Signature pour 5 ans au Real, j'espère que c'est pas un rêve. Alex, ¿qué se siente al firmar por el mejor club de la historia? Es verdad que eres del Madrid desde pequeño. Voilà. Je suis là. Finalement, avec un an de retard, c'est vrai, mais je vous parie que je saurai rattraper tout le temps perdu. Des questions? Alex, por favor, s'il vous plaît. Mr. Hunter! Alex, vous avez déjà démontré votre potentiel dans plusieurs grands clubs, mais... Comment allez-vous gérer la pression au Real Madrid, qui est quand même le club le plus célèbre au monde, et où tous les supporters attendent une victoire en Ligue des Champions chaque année? La pression, ça n'a jamais été quelque chose qui me dérange vraiment. Et je l'ai déjà souvent prouvé dans ma carrière. Gagner la Ligue des Champions, c'est le truc dont rêvent absolument tous les joueurs, et j'entends bien l'ajouter à mon palmarès. Je suis impatient de pouvoir prouver à tout le monde qu'Alex Hunter est l'un des meilleurs joueurs en Europe. Est-ce que vous pensez pouvoir tirer votre épingle du jeu dans ce club, compte tenu du très haut niveau de vos concurrents? J'ai confiance en moi et je suis sûr d'y parvenir. Je l'ai déjà prouvé par le passé en remportant des titres importants. Je pense être prêt. On n'a pas serré la main de l'entraîneur. Gracias. Tu as mis à toi de tenir le droit de porter. Por aquí, Alex, por aquí, una foto. Contento, Alex. Alex, una foto.
C'est beau, c'est beau. On n'a pas d'aimé géniaux, hein. On a fait Atletico, L'Oréal, c'est à côté. Hein. Parle de moi, L'Oréal. Madrid. Champion contre 3-0. Vous êtes libre de changer d'héros à votre guise. Toutefois, le chemin recommandé est optimal. D'accord. Mais si je vais là, je peux changer. Dani. Et lui, il est au Real. D'accord, ok. Allez, Madrid. Sûrement pour le premier entraînement. On va voir comment nous place le coach à notre arrivée. C'est arrivé. Comment dirait le Madrid. Elle est avec Béa. Nouvel agent. On va éviter de s'emballer. Alex, parle-moi. Il y a 2 ans, j'étais qu'un gosse sans contrat. Maintenant, on me dit que je suis le nouveau Ronaldo. C'est surréaliste, pour moi. Alex, t'es la star de demain. Mais tout se passe tellement vite. Rappelle-toi comment tu étais à ta conférence de presse. Tu t'es montré confiant, sûr de toi. Tout le monde ici ne parle que d'Alex Hunter et tu n'as même pas encore touché le ballon. Tout ce que tu as à faire, c'est leur montrer de quoi tu es capable. Eh oui, sans pression. En Liga, on doit gagner encore une fois. Et en Ligue des Champions, on doit prouver à nouveau qu'on est le plus grand club jamais entré dans cette compétition. Et dans les 2 compétitions, il faudra bien débuter. Alors au boulot. Anton, bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Moi, c'est Joe. Ravi de te connaître. Alex, je te présente tes nouveaux entraîneurs. C'est que, pour être honnête, j'ai encore du mal à croire que je sois là. C'est pour ça qu'on est là, pour t'aider à apprendre la méthode Real Madrid. On va commencer par un 11 contre 11. Anton et Joe, un de chaque côté. Tu changeras d'équipe à la pause. Ça me va. C'est parti. Alors, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Hunter est avec le ballon, son premier ballon à l'entraînement avec le Real de Madrid. Carvajal, Gareth Bale. C'est moi où il a engrumé Marcelo. Bale. Attention. Ouais. Ouais, bien joué pour Alex Hunter. Allez. Premier ballon dans la surface. Le premier tir. Bon tir. Et parade du gardien, ça donnera un corner. Il n'aura pas gagné ce ballon de la tête. Allez, on est bien placé, on le récupère. Hunter. Hey, oh, ça touche la barre. Ok, donc on est carrément attaquant droit. D'accord.
trop, ce ballon trop. On joue Enter. Mal donné ce ballon, mal donné. Asensio, Cuentrao, ancien joueur de Monaco. Casimiro, bien joué Asensio. Casimiro. Belle intervention d'Hunter. On joue bien, hein. Et encore une fois Hunter. Bale. Ouais, bonne sortie du gardien. Surtout ne pas prendre de but, rester à 0-0 et tout donner sur la deuxième mi-temps. 'a été demandé par le coach, on va changer d'équipe. Allez, Hunter. Ouais, belle. Oh, il redemande le ballon. Oh. Corner. Si on veut marquer, forcément, on va pas s'en priver. Putain. Allez, bien. Pas mal, et dommage, bien tenté. Allez, Keylor Navas. Elle va être dure cette balle, Hunter qui s'est bien battu. Bien tenté. Ouais, pas mal. Eh, hey, dommage. Point Rao. Oui, très bien récupéré. Le tir contré, je crois. Il va aimer pour nous que je sois contré. Oh, dommage. On a tenté. Ouais, encore une fois, la bonne parade du gardien. Passer devant. Allez, on va jouer avec Gareth Bale. Ça va essayer. Là, je pense que ça va envoyer. Tu dois faire davantage attention à ton placement. C'est vrai, ils ont raison. Chaque fois que je déconne dans mon placement. Mais là, on a bien joué, je pense. On finit sur un 6-8, c'est pas mal. Allez, du coup, on est passé dans les maillots orange. Avec un poste milieu centre gauche. Il va chercher Vasquez. Allez, bien. Ouh, Llorente. Bien joué Hunter.
Et il s'en sort bien là-dessus. Isco. Modric. Allez, bien joué pour Isco. Il va se centrer. Oh putain, c'est beau. But de Benzema. Oh là là. Vasquez, Vasquez, belle montée. Bien joué Hunter. Ah non, dommage. Encore une fois, Vasquez. Et c'est les jaunes qui dominent bien. Oh putain. Sans gardien, sans gardien. Oh là là là. Allez Bale, allez Bale. Corner. Allez, centre. Ah. Oui, c'est vrai qu'il y a Courtois, putain. J'avais oublié, c'est Courtois en face. Oh oui! Légalisation à partout. Benzema. Oh, bien joué Benzema pour Vasquez, Vasquez. Ouf, merci Navas. Encore un corner. Ah, on finit sur ce score de 1 but partout, on est remonté. Accent mis sur l'attaque. Alors, sélectionnez un groupe mentor. Chaque groupe mentor permettra à Alex de se concentrer sur un certain nombre d'aspects de jeu. On va aller avec Modric, Marcelo, Kroos, Varane, Isco. Ou alors Ramos, Asensio, Bale, Casemiro, Carvajal. Et j'ai envie d'aller à gauche. Bueno, c'est décidé. L'attaque. C'est la meilleure façon de défendre. C'est la base du foot. Alors, je suis ton homme. Marquer, c'est qu'une partie de ce qui fait un grand attaquant. Avoir la capacité de se créer des espaces pour avancer, avoir de l'endurance pour courir, même à la toute fin du match, c'est ce qu'il y a de vraiment important.
On a encore débloqué 9 trucs. Apparence 2. Et enfin un dernier en tenue. Encore des chaussures. Allez, direction Madrid. Pour qu'Alex obtienne de nouvelles caractéristiques, il doit tenir des relations fortes. Maximiser la relation avec chacun mentor pour débloquer un défi unique. Une fois ce défi unique débloqué, Alex pourra disputer un contre un avec un mentor lors de la journée d'entraînement suivante. Réussissez chaque défi pour défier, pour prouver qu'Alex maîtrise la technique de son mentor. Ok. Mentor Isco. C'est beau. Nouveau joueur au milieu. Non, arrêtez. Lo vas a hacer bien, eres muy buena. On est contre nos mentors. Bon pour tacler. Oh non, il est pour moi celui-là. Facile. Passa, mec. Il voit pas le jour, Isco. Ouais, voilà, c'est ça. Belle. On finit avec un A, bien. On est très vite sorti du cercle. Début au Real Madrid, un rêve qui devient réalité. Incarner les mentors, et nous, cette option vous donne la possibilité de contrôler Alex Hunter et ses mentors uniquement. Les autres joueurs de l'équipe seront contrôlés par les à disputer des matchs avec votre groupe mentor pour que Alex développe plus rapidement ses relations. On va incarner les mentors, voir ce que ça donne. Allez, on va tenter. J'espère qu'Alex Hunter équipe cette semaine, je pense qu'Alex Hunter va... Je croise les doigts pour toi, pour tes débuts. Cristiano Ronaldo, bonne chance pour tes débuts. Real Madrid, Alex Hunter devrait être régulièrement titularisé si son club ne lui donne pas suffisamment de... Un autre s'en chargera. Ce serait bien d'avoir Alex Hunter parmi les titulaires, on a besoin de buts et il marque. Allez. Touche pour Marcelo.
Eh bien voilà, il aura fallu attendre la dernière demi-heure. Mais allez, on va rentrer à la 60e. Va donc entrer en jeu avec sur les épaules, de 7, le marquer un but, remporter le match. C'est un petit événement. Ah, il doit avoir le cœur qui bat à 300. Je ne sais pas s'il pense encore au feuilleton, à rebondissement de son transfert avorté de l'an dernier, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il rentre à la place de Bale. On rentre quand même à la place de Bale, intéressant comme indication. Et d'ailleurs, on joue à son poste directement à droite. Modric, il paye pas de mine, hein. Il ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Oui, il est pas très grand, 1m74, il est pas super beau gosse, mais alors quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Ok, d'accord, ouais, c'est vraiment chaud de contrôler Clémentor. Cross, Asensio. Ça peut couper une action très vite. Isco, voilà ce qu'il a sur le maillot. Ça va plus vite à dire que son nom complet, hein. C'est plus pratique. Ah oui, c'est sûr que Franck. Karim Benzema. Ah, bien. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Isco. Isco, Marcelo. Ouais, c'est le grand désert devant Marcelo qui va pouvoir s'engouffrer. Karim Benzema. Ils font tourner. Jouez. Luka Modric. Hey, bon, attention, c'est pas fini. Et il envoie le ballon très loin. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Luka Modric qui a du soutien autour de lui. J'avais même pas vu le score, on gagnait déjà 1-0. Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il la mettait. Raphaël Varane. Alors, il y a peu de joueurs qui ont été transférés de l'Atlético au Real, hein, puisque vous connaissez la rivalité entre les deux clubs. Mais là, en l'occurrence, la rumeur disait vrai. Alex... Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Passe, signalé hors jeu. Ah, clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Isco. Ah, c'est une belle abnégation, hein, chez ce joueur qui a fait l'effort. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Ah, c'est chaud de jouer avec les mentors, hein, je vous le dis. Il y a quoi, se passe. Il fallait qu'on essaye, donc c'est... Isco. La nouveauté. Ballon pour Hunter. Ouais, Hunter, ça c'est bien joué. Pas grand monde pour contrarier le Real Madrid sur les ailes. Isco, voilà. Quel sauvetage du défenseur. Oh, c'est beau. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Face à Bed. Hugo Malo. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Il intercepte. Ah, ils n'ont plus le choix. Ils doivent marquer sur cette action ou sinon jamais. Ouais, bien joué, Hunter. L'arbitre a décompté 2 minutes hein, de temps additionnel. Pione Sisto, Maximiliano Gomez, Gustavo Cabral. Il y a quoi, se passe. Attention, attention. Maximiliano Gomez. Oh la belle. La frappe. Il a contré. C'est contré. Hop. Bien joué Thibaut. Victoire 1-0. Sifflet final. Et le Real Madrid qui empoche donc les 3 points dans cette première journée. Alors on se demandait comment allait se comporter Alex Hunter. Il n'a pas disputé le match en entier, mais comment tu l'as trouvé, Pierre? Bon, plutôt bien en jambes, avec des bons coups à jouer. Et même s'il n'a pas marqué, c'est pas grave. À mon avis, il aurait signé tout de suite pour une victoire des premiers matchs, même sans marquer. Ouais. On s'en sort bien. Ouais, donc les mentors, voilà, je pense qu'il faut prendre un petit peu l'habitude. C'est pas mal, mais faut voir. Je suis avec Alex Hunter, qui vient de jouer ses premières minutes sous le maillot du Real Madrid. Alex, qu'avez-vous ressenti ?
Je suis enfin à la place que je mérite. Je rigole. Non, sérieux. Je crois que toute ma vie, j'ai rêvé de porter ce maillot un jour et de me retrouver sur ce terrain. Et c'est enfin arrivé. Ça a donc été toujours votre véritable ambition? Aussi loin que je me souvienne. Et quand j'ai eu la chance de jouer devant ses supporters pour la toute première fois, je me suis senti à l'aise. C'est comme si j'avais enfin trouvé ma place en ce monde. Félicitations, Alex. Merci. Pas mal. Premier match, première victoire 1-0, même si on n'a pas marqué malheureusement. Voilà. Donc on est rentré à la place de Gareth Bale, qui n'est pas notre poste principal. On a joué une petite demi-heure, voilà, ça fait du bien. Quelle victoire, 3 points pour tes débuts. Déjà marqué les esprits dans son nouveau club. Encore 3 points sur le terrain. Mortel pour le Real Madrid aujourd'hui. Quelle prestation. Pas mal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver très vite pour la suite des aventures d'Alex Hunter. À la prochaine. Salut tout le monde.